Tout dans la vie est affaire de choix. C'est vrai, ça commence par la tétine ou le téton, hein. Ça se termine par le chêne ou le sapin, hein. Et puis finalement, d'ici à là, de sa naissance à sa mort, l'homme est en permanence confronté à des choix. Mais que choisir? Fromage ou dessert? La cigale ou la fourmi? La bourse ou la vie? Un baril de merde ou deux barils de lessive ordinaire? Moi, je ne sais jamais, je reste là comme un con, je reste dubitatif. J'ai été maintes fois confronté à des choix terribles, terribles. Songez que j'avais 35 ans en 1940. Si, c'est vrai, je vais sur 79, là. Ouais, je sais, je ne les fais pas. Je ne les fais pas, mais si j'ai su jusqu'à ce jour conserver ce teint de jeune fille, c'est que je prends soin de retarder le vieillissement de mes cellules, en menant une vie d'asset, d'une part, et d'autre part... Bah, qu'est-ce qui se passe? On coupe là. Mais comment on coupe là? Bah, parce qu'on a décidé de couper là. Mais qui a décidé qu'on allait couper là? Bah, écoute, on coupe là. Mais enfin, il se passe quelque chose après, alors on le voit pas. Bah, on coupe là. Enfin, c'est quand même formidable, on est en démocratie, oui ou non? Moi, je voudrais voir ça une fois en entier. On décidera après si on coupe là ou si on coupe ailleurs. C'est possible, on peut le voir en entier, oui. Je te dis qu'on coupe là.